it's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Désolée pour le bruit, ça fait 5 minutes que je parle et j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer sur mon téléphone. Donc j'avais fait exprès en plus d'ouvrir le vlog quand je roulais tout doucement. C'est la course, j'ai pas eu le temps de vous reprendre, j'ai même pas eu le temps de mettre du rouge à lèvres, là mes lèvres me tirent, ni même du baume à lèvres. De toute façon je suis tout le temps dans le speed, je suis pas en retard. Là vous voyez, normalement je suis censée arriver dans 5 minutes, il est 9h55 et on a rendez-vous à 10h, je serai à l'heure. Mais je suis toujours absolument dans le speed total. Aujourd'hui nous sommes jeudi 22. Ça fait trop bizarre parce que vraiment là ça veut dire que ça veut dire que c'est sur la fin là les vlogs. Du coup là je vais rejoindre mes copines, donc Julie que vous avez vu hier et Yola que vous connaissez. J'ai recadré mais je suis à l'arrêt. On va dans un café dans le petit village qui est à côté de chez mon père, puisque ça fait moins loin, enfin ça rapproche tout le monde en fait. Parce que hier on a commencé à discuter, mais en fait on n'avait pas du tout le temps de finir toutes nos discussions, voilà. Et on va en profiter un petit peu avant que Julie reparte chez elle, puisque là comme nous en fait elle est chez ses parents, mais plus personne n'habite ici. Je vous laisse, je vais mettre le GPS parce que là on arrive dans le petit village et moi je suis un peu perdue sans GPS. Ça y est, je suis arrivée, faudrait que j'essaye de filmer je pense dans la voiture avec cet appareil, voir si ça fait moins de bruit, enfin si on entend moins le moteur. Mais là par contre j'ai pas fait gaffe, j'ai plus de batterie sur l'appareil et j'ai pas pris ma petite valise avec les batteries. Ah oui oui, là ça clignote, donc ça va que j'ai d'autres caméras, j'ai celle-ci qui était restée dans la voiture d'ailleurs, et puis après sinon je peux prendre mon téléphone. De toute façon je pense pas qu'on en ait pour très longtemps, je pense que à 11h30 midi je vais repartir. Regardez, j'ai retrouvé Yola derrière moi. Il y a Julie aussi qui est juste ici. Franchement, ça a changé notre shopping. Regardez des. Regardez des doudous et des tapis. Du coup, on est allé boire un café ce matin. Il est midi 17. C'est bien. Et on se fout de moi. Là, on fait un petit tour dans le village. Et puis après, on va rentrer, on va manger. Julie rentre chez elle. Yola rentre chez sa mère. C'est la dernière fois que vous verrez Yola. Et je peux pas te montrer, je peux pas incliner. Au revoir. Ça aurait été très plaisant, les vlogs avec vous. Yola réfléchit à ce qu'elle pourrait faire comme chaîne YouTube. Une chaîne fonctionnerait vraiment. Ah, ça existe. Une chaîne pour les enfants. Si, je te jure, ça fonctionne bien. Si, ça avec fonctionne des cours bien. Pour enfants. Mais ils aiment bien les trucs TikTok aussi, les gens. Des cours de tout. Et du coup sur TikTok aussi. Et sur TikTok c'est plus les... La meuf qui n'est jamais allée sur TikTok. Non mais c'est pas du tout. Il faut se mettre aux réseaux sociaux, Julie. Non, absolument pas. Ça y est, j'ai trouvé un endroit où je peux filmer. On est passé dans une petite rue, y a rien, c'est délabré. On regarde s'il y a toujours les magasins, les boutiques qu'il y avait à notre époque quand on était au lycée. La réponse est non, beaucoup de choses ont fermé. Bon, désolé pour les plans, ils sont un peu atroces, mais si je filme comme ça, je pense que c'est pas mal. Là, on est à la recherche d'une maison flippante que Julie se souvient voir souvent avec des... Ah, c'était elle. Il y avait des poupées en vitrine. Non, mais la vieille dame, elle a dû... Ouais, elle a dû tout. Il n'y a plus les poupées, dommage. Il est 13h01, me revoilà donc sur le retour. Bon, je sais pas ce que j'aurais pu vous mettre, vous filmer et tout, parce que en vrai, je pouvais pas trop filmer parce qu'il y a beaucoup, vous voyez, beaucoup d'extérieur, c'est vraiment un petit village. Et bon, pas trop envie de filmer le village, vous voyez. Cette dégaine là, avec la veste, la chemise mal mise et tout. Je rentre pour manger. Mon père aura, je suppose, déjà mangé, puisqu'il est déjà 13h. Qui reprend le boulot à 13h30, je crois. Cet après-midi, j'hésite, je sais pas si j'aide mon père. Il travaille à son compte, donc je peux l'aider à aller travailler avec lui. Je sais pas si je fais ça ou si je vais aider mon grand-père qui est en train... En fait, le truc, c'est que je sais pas ce que mon grand-père est en train de faire. Mon père est en train de faire un bar extérieur, mais en fait, ce qui m'embête un peu, j'aime pas faire un truc quand il va pas être terminé. Et là, il lui manque le dessus du bar. Du coup, je suis moyen chaud. Et mon grand-père, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais peut-être qu'il est en train de monter une cuisine et du coup je pourrais l'aider parce que moi j'ai pas les capacités que tout le monde a ici. Je sais pas, poser du placo, je sais juste bricoler et monter des meubles, ça j'y arrive très bien et j'adore faire ça. Donc là, s'il est en train de monter la cuisine, j'irai sûrement l'aider à monter la cuisine.
Il faut aussi que je finisse de préparer ma vidéo parce qu'hier soir j'étais KO, j'ai terminé. Hein. J'ai tout terminé, mais j'étais trop KO pour faire les petits détails en fait. Bon, je suis arrivée. Ah, je voulais vous faire un retour aussi. Ah, mais j'ai plus d'appareil photo. Bon, tant pis, je vais vous filmer avec ça. Je vous en avais parlé à l'époque. Bon, ça, c'est mon setup pour filmer et pour tenir le GPS. Sur Instagram, je vous en avais parlé que j'avais mis un truc comme ça. Alors, je l'avais mis ici de base, mais c'est l'une d'entre vous qui m'a dit mais le là, c'est grave mieux, c'est moins moche. Merci de me l'avoir dit, j'y avais pas pensé. Et par contre, franchement, je suis un peu déçue parce que ça fait pas longtemps que je l'ai mis. Alors attendez, il y a une recharge qui doit être... Oh, mon appareil photo, je l'avais mis là. Ouais, il y a une recharge juste ici. Évidemment, j'ai pris celui, c'est mon préféré. Alors la première heure, je trouvais que c'était extrêmement fort ça. Et après, on sent plus rien. Donc là, je me tâte à changer la recharge aujourd'hui. Je ferai peut-être ça tout à l'heure. Là, je vais aller manger parce que j'ai faim. J'avais acheté une petite poubelle comme ça. Mais en fait, j'ai une... J'ai une passion, j'aime trop regarder sur TikTok les vidéos de ménage et tout, de trucs de voiture. Maintenant, je vous laisse, je vais prendre... Ah non, j'ai mis mes gros doigts sur l'objectif. Donc, je vous laisse, je vais aller manger. Bon, du coup, je viens d'arriver, là, je vais manger du reste de quenelle d'hier, ça j'aime trop. C'est pas du tout appétissant, mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Et ça, c'est du gratin de brocoli que mon père a fait pour ce midi. Trop bon. Et après, hier, j'avais acheté ça, je vous ai même pas fait de retour. J'ai acheté, alors, ça en cookie, ouais. Mais alors, ça... C'est super bon. Moi, je suis fan de confiture de framboise et tout. Il est actuellement 14h11. J'ai mangé. J'ai un petit coup de mou, mais juste après, j'irai chez mes grands-parents. Là, mes grands-parents du côté de mon papa. Donc, du côté de mon papa, c'est ceux qui font les travaux et qui habitent à côté de chez mon frère. Et du côté de ma maman, c'est les grands-parents qui ont la crèche. Mon grand-père qui croit que j'ai une émission à moi. Pour vous repérer un petit peu, parce que c'est vrai que bah, je... Enfin, à chaque fois, je dis mes grands-parents, mais c'est pas forcément évident. Là, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent. Évidemment, j'ai pris mes cases. Le rituel, c'est énorme. Donc, on le garde pour la fin. Je vais commencer par Linda. Ah, c'est encore un crayon. Alors, il faut que vous aimiez les crayons. Voilà, on est mieux posé comme ça. Ça fait partie de mes produits préférés. Parce qu'ils sont vraiment excellents, les crayons Linda. Mais c'est vrai que du coup, c'est au moins le quatrième, je crois. Au moins. Là, c'est la teinte gray. Donc, je suppose que c'est un gris. Je vais le swatcher, voir si c'est un mat. Parce que j'adore les pailletés, en fait. C'est un mat. C'est pas un crémeux, c'est vraiment un mat. Et c'est gris. Vous verrez peut-être noir, vous, je pense. Calendrier bijoux, ce soir... C'est pas un bijou. C'est la première fois que c'est pas un bijou. C'est un truc pour mettre sur la valise. Bah, j'en ai pas, donc ça va me servir. Vous voyez, ici, c'est marqué Pure Lay. Et en fait, quand vous soulevez ici, c'est visible, du coup... La petite carte pour le nom. Alors j'ai pas, et c'est vrai que des fois je me dis ça peut être pas mal, puisque moi mes valises elles sont pas, enfin il y a pas mon nom dessus. Le rituel, regardez, c'est une grosse pochette comme ça et c'est vachement lourd. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Oh, c'est génial. Alors c'est un diffuseur, alors en full size. Par contre, Wild Fig, je sais pas trop ce que j'en pense. Je sais pas si je peux ouvrir et refermer, en fait, c'est ça le truc. Non, je pense qu'une fois qu'on l'a ouvert, on peut plus le fermer. Et puisque je vais emmener ça dans ma valise, j'aimerais éviter qu'il se déverse sur tous mes vêtements. Je me dis, il y a moyen que j'aime, c'est pas quelque chose de trop boisé ou quoi, donc peut-être. Je vais avancer un petit peu mon montage. Il est 14h15, je pense que je vais avancer jusqu'à 14h30-45. Pas grand chose, mais au moins ça m'aura démarré le montage. J'ai réussi à installer une caméra sur mon truc. Je vaut mieux même pas vous montrer l'installation que j'ai faite. Vous pouvez tomber à tout moment puisque vous êtes dans le vide. Mais par contre, c'est ma caméra avec stabilisateur, donc ça, ça doit être génial. En revanche, c'est pas celle qui a un bon son. Celle-ci, impossible en fait, parce que dans ce sens, c'est trop petit. En fait, mon crochet est trop petit. Et dans ce sens-là, c'est trop lourd, ça tombe. Donc, j'arrive pas à mettre celle-là. J'aurais bien aimé pourtant. On va tester. Là, normalement, vous m'entendez bien, hein, très bien, parce que j'ai pas encore allumé le moteur. Ah bah oui. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Quand je vais démarrer, normalement, ça va être bon. Mais c'est quand je vais vite. Enfin, quand je vais vite. Quand je suis pas en ville. On va voir. Je tente. Hein, je fais des petits essais. Vu que je filme pas avec mon téléphone, je peux mettre la musique. Il y a un truc qui est tombé sous mes roues. On va voir, hein, ce que ça donne au niveau du son. Là, je suis à 80, donc on va voir est-ce que le son est insupportable ou pas. J'aurais bien aimé vraiment essayer de mettre l'autre appareil photo. Bref, ça c'est du détail. Je peux discuter avec vous vu qu'on roule actuellement à 5.
Normalement, le son ne devra pas être trop dérangeant. Là, je vais chez mes grands-parents, du coup. Je ne sais pas encore ce qu'ils font. Je pense que dans tous les cas, ma grand-mère doit être chez elle. Et mon grand-père, dans tous les cas, il est en train de travailler. Mais ce soir, en fait, j'aimerais bien voir mon frère pour discuter des derniers cadeaux de Noël qu'on doit faire et qu'on n'a toujours pas fait. Il y a plein de trucs qu'on doit faire. Il faut absolument qu'on en discute ce soir parce que ça approche. Nous sommes le 22. Donc, il est largement temps qu'on s'en... ça folle. Il faut absolument que je le voie, mais il bosse sur un chantier ce soir. J'ai pas prévenu que je passais. Ça y est, je suis arrivée, franchement. Il pleut. Il pleut. Mon problème, c'est qu'en voiture, je mets la musique très fort, je chante et après je sors. J'ai plus de voix. Voilà. Je vais laisser mon truc là. Ma grand-mère est pas chez elle, donc je vais aller voir mon grand-père qui est au chantier. Ça me saoule, je suis une abrutie. J'ai pas pris mon parapluie et il pleut. Je l'ai emmené, mais je l'ai laissé dans ma valise. Du coup, go sur le chantier. Allez. Mon grand-père est là, j'entends la disqueuse. Toc, toc, toc. Oh. Ah ouais, bien. Mais non, bah ça change avec le sol. Hein. Ah bah ça va, ouais. Ça change un peu. Hein. C'est joli. Papa savait pas où t'en étais. Il m'a dit va voir, peut-être qu'il aura commencé la cuisine. Non, j'ai pas. Toi, c'est tout là. Ouais. Je vais finir mon plancher avant de... Très joli, les escaliers tout peints. Bravo, papy. Voilà. Trois couches. Trois couches. Tu les as vernis? C'est une peinture. C'est une peinture qui vernit. C'est spécial pour les escaliers. Ok. Voilà. Mais la boîte d'un litre, 60 et quelques euros. Quoi? Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, oui. C'est bon marché. Ah ben, c'est bon marché. Et je suis passée à la maison, elle est où, Momo? Ils ont entrepris à la bibliothèque d'éditer un conte. Les cinq femmes, cinq ou six femmes, là. Elles ont pondu un conte, une histoire. Ah d'accord, ah un conte, d'accord, une histoire. C'est un conte de Noël, c'est une histoire. D'accord. Elles ont fait imprimer une vingtaine de livres, ça leur a coûté 300 euros. Et la semaine dernière, elles sont allées dans les écoles pour lire. Et aujourd'hui, elles sont chez les petits vieux. Ah, l'hospice. Reste ce soir, non? Je dors chez papa, mais après, ouais. Je sais pas où je mange. Comme j'ai pas prévenu mamie, je sais pas si... Elle est allée faire les courses ce matin, trucs. Parce que... fallait un petit peu que j'allais peut-être venir. Mais quand? On savait pas. Donc elle a anticipé. C'est le ton frère qui nous a dit, oh bah Salomé doit être arrivé. Hier t'es arrivé. Ouais, oui. C'est ça. Elle nous a dit, il doit être arrivé. Si t'attends que j'ai fini. Oui. Si t'attends que j'ai fini, ça sera demain matin. Bonjour Momo. J'ai alors une voiture que je connais dans le jardin. Ben ouais, mais moi j'ai frappé, il n'y avait personne. Et ben non, j'arrive. Et j'ai eu oui dire que tu lisais des contes. Oui. Et un conte de notre... De votre création. De notre création. Absolument. Ok, bon, je vous ai un peu abandonné, je vous retrouve. Je vois rien. Et les essuie-glaces, ils sont... Comment dire? Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, je suis dans une voiture qui n'est pas la mienne. J'ai l'impression que soit vous voyez trop haut, soit vous voyez trop bas. Tant pis. De toute façon, j'espère par contre que vous m'entendrez bien. Cette voiture fait quand même beaucoup plus de bruit que celle que j'utilise d'habitude. Là, je suis partie chercher en fait la voiture de mon frère. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux semaines, genre quand je suis venue... Quand je suis venue avec toutes mes galères là, pour quand j'ai voulu prendre la voiture de ma mère, elle était en panne, elle n'avait plus de batterie. Du coup mon frère m'a dépanné, il m'a passé sa voiture. Voiture qu'il utilise quasiment plus parce qu'il a une voiture de fonction on va dire. Mais par contre il en a besoin demain. Donc, mon grand-père devait l'emmener demain matin, mais ça fait lever mon grand-père. Du coup il m'a demandé si je pouvais lui remonter sa voiture aujourd'hui. Voiture qui était chez mon père. Franchement, si vous avez compris ce qui se passe, chapeau, parce que même moi je me mélange dans ce que je dis. En gros, la voiture de mon frère était chez mon père et demain il en a besoin. Du coup, je les remonte chez mes grands-parents en fait. Voilà le programme. Ma grand-mère, je sais pas si je crois pas que je filmais. Elle était dégoûtée quand mon grand-père lui a dit qu'il voulait que j'aille chercher la voiture. Elle a dit oh non, mais il y a pas besoin. Elle croyait que je partais et que j'allais pas revenir remonter chez eux. Du coup, je dis mais tu viens d'arriver, tu vas repartir. Mamie, je la remonte la voiture. Du coup, je vais manger chez eux ce soir. Il est 16h30. Ma vidéo est sortie à 16h, je me suis trompée tout à l'heure. J'avais pas encore fait trop d'erreurs sur les vlogmas,
Mais là, je me suis trompée d'heure, donc je l'ai fait sortir mon dernier vlog, enfin mon vlog d'hier, si vous l'avez vu. Il est sorti à 16h au lieu de 18h, je me suis trompée. Tant pis. Il y a Julie qui m'envoie un message, elle me dit « Ton vlog, il est sorti en avance, c'est normal !» Je vais me remettre la musique et éteindre ma caméra qui n'a presque plus de batterie. Et celle-ci, c'est pas une batterie qu'on peut changer, c'est trop chiant sur cette caméra. C'est une batterie, il faut la recharger, il faut la brancher quoi, la caméra. Donc quand tu la branches, bah, je peux plus m'en servir. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Parce que sinon, je vais me détester au montage ce soir. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai un peu abandonné, là. Il est beaucoup plus tard. Il est 18h36. Je suis chez mes grands-parents, du coup, du côté de mon père, comme je vous avais dit. Là, je vais manger ici ce soir. Mon frère vient aussi manger avec nous. D'ailleurs, il faut qu'on parle justement des cadeaux de Noël. Je vous ai dit, j'étais encore grave à la bourre. Il faut qu'on parle pour voir qu'il est encore plus à la bourre que moi. Il m'a pas encore demandé si on se mettait ensemble sur les trucs et je pense qu'on se met ensemble pour tout. Donc je pense qu'il est encore plus à la bourre que moi. Et puis voilà, donc là on va manger ici. Après je rentrerai dormir chez mon père parce que j'ai encore toutes mes affaires là-bas et il faut que je fasse le montage comme d'habitude. Sachez que ma grand-mère lit les commentaires des vlogs. Elle me fait des petites remarques à chaque fois. Ah ouais, mais ça. Là, c'est... c'est quoi que tu m'as dit tout à l'heure? Il veut mettre une cagnotte. Ah oui, une cagnotte. Il y a quelqu'un qui a marqué, qui a mis un commentaire d'ouvrir une cagnotte pour le rideau. Ça l'a fait beaucoup rire. Moi, je suis pas rendu compte. Et ouais, je suis discrète. Hein. Ah oui, oui. Parce qu'après, quand on se rend compte de ma caméra... Tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'argent pour le rideau. J'ai dit, elle a enregistré. La bourrique. Et ça s'est passé, hein, Ouais. Parce que quand je montre vraiment que je filme quelqu'un qui a pas l'habitude, c'est pas naturel, on se sent pas à l'aise. Et du coup, on sait plus trop quoi dire en général. Ouais. Alors que quand je filme en. Sans rien en dire douce. Ouais, en douce. Bah, ça fonctionne bien. Elle filme sans autorisation. Exactement. Mais par contre, elle respecte le droit à l'image. Ah, merci de le noter. Regardez ce que je viens de trouver chez ma grand-mère. Il y a une bougie, des bougies de Charroux. Elle est allée à Charroux et elle a pris les bougies. Chez Avant-Feuille, franchement, l'odeur est pas mal. Je la connaissais pas, celle-ci. Parce que tu sais, j'ai eu le calendrier de l'Avent des bougies de Charroux l'année dernière. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Du coup, j'en ai découvert plein, mes bougies. Il est beaucoup plus tard. Il est 23h21. Oh, je suis KO. Je pense que c'est le mot. C'est le bazar de ouf. Il y a du maquillage partout. Des brosses à dents, du maquillage. Là, je rentre de chez mes grands-parents. Je voulais carrément vous filmer dans la voiture. Mais alors, nuit noire. J'ai essayé d'allumer les lumières. C'était une catastrophe. Franchement. Du coup, j'ai pas pu vous reprendre dans la voiture. Je viens à l'instant de rentrer. Tout à l'heure, je vous avais dit que je voulais commencer à dérocher, enfin à faire mon montage. Je l'ai pas fait. Je l'ai vraiment pas fait. Je sais pas pourquoi. Je regrette. Du coup, là, je vais me démaquiller, me doucher, parce que là, je dois me laver les cheveux en plus. Comme ça, genre vers minuit, je commence mon montage. Enfin, je fais. Pas je commence, je commence, je fais, je termine. Je fais tout mon montage et je me mets dans le lit, je suis posée. Parce que si je dois me relever pour aller me toucher et tout, je sais que j'aurai pas la force. Du coup là je vais aller me démaquiller, me laver et on se retrouve juste après. Bon, finalement on s'est pas retrouvés directement après. En fait, en sortant de la douche, je suis direct venue me mettre dans le lit pour faire mon montage. Il est 2h, je sais pas combien, 2h25. Ah, je suis mais KO, comme je vous disais tout à l'heure, franchement j'en peux plus. Mais j'ai remarqué que dans ce vlog, alors je sais plus filmer, dans ce vlog, je vous ai filmé tout le temps comme ça. On voit tout le temps mes narines. Désolée pour ces cadrages et aussi pour le son quand je suis en voiture avec mon téléphone. J'ai remarqué que c'était quand même mieux avec ma petite caméra. D'ailleurs, il faut que je la fasse charger. Mais c'était quand même mieux avec ma petite caméra. Donc dorénavant, je filmerai avec la petite caméra dans la voiture. Avant de clôturer, je voulais vous laisser avec le concours du jour. Alors voilà donc le lot du jour. On a pas mal de palettes, Makeup Revolution, Beauty Bay, une palette d'highlighter dans laquelle on retrouve trois teintes, des palettes Révolution, on a aussi un petit kit de pinceau où on a du teint et des yeux. Ensuite on a un blush et un highlighter de chez Kaleidos, une poudre translucide qui conviendra à un maximum de personnes. Au niveau des lèvres, voilà les produits que j'ai mis, et là au niveau de la teinte,
C'est un genre de nude. Un mascara de chez LH Cosmetics. Et après... Ah oui, il y a ça. Ça, ce sont des petites ombres à paupières qui sont absolument magnifiques. Elles sont pailletées. Trop trop belles. Donc il y a 5 teintes. Et après, on a des produits de soins. Un diffuseur aussi de chez Rituals. Des produits Florence Nature. De la marque Herbloom. On the Wild Side. Typology, la canopée. Voilà pour le lot du jour. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, les conditions de participation sont en barre d'infos. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais finir de travailler parce que j'en ai encore pour un petit moment. Et bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, 18h. Bye!